Salut tout le monde, c'est ZDRK. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour vous présenter la deuxième partie du DLC Higoten Gain. Donc je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas ça fait vraiment super plaisir parce que vous allez voir que cette deuxième partie de ce DLC est vraiment superbe. Donc déjà, ce qu'on aura de nouveau dans ce DLC, on va commencer par les véhicules. Donc on aura la Envertro Coquette Blackfin. Elle est vraiment assez belle, je trouve. C'est un style assez ancien et j'aime bien ce genre de véhicule. Par la suite, pour le deuxième véhicule, c'est un espèce de 4x4 qui s'appellera le Qual Brendler, qui est fait surtout pour le tout-terrain. Par la suite, on aura une super sportive, donc ça c'est vraiment super. Elle s'appellera la Progen T20 et d'après ce qu'ils disent, elle sera incroyablement rapide. Donc on verra si ce sera le véhicule le plus rapide du jeu ou non. Et pour finir les voitures, et ben on aura la Vapitecino qui est pour ma part, je trouve qu'elle est exactement comme la Albany que l'on a eu dans la partie numéro 1. Et franchement, c'est pas trop mon style de véhicule. Et si vous regardez la Albany à cette Vapitecino, et ben c'est pratiquement exactement les mêmes. Donc ça me déçoit un peu, mais c'est pas grave. Et pour finir les véhicules, et ben on aura une moto qui est la Jinca Vindicator. Et elle est un peu futuriste, donc un tout petit peu. Et je pense que ça va faire vraiment plaisir à tous ceux qui font des stuns. Parce qu'elle a l'air vraiment super pour en faire. Et au passage, il y aura un petit bateau qui s'appellera le Lampadati Toro. Et pour ma part, je trouve qu'il est vraiment magnifique, même si personne n'utilise des bateaux sur GTA 5 Online. Et maintenant, on va passer aux autres nouveautés. Donc déjà, sur cette photo-là, on peut apercevoir une femme qui sort d'un magasin de vêtements. Et Rockstar dit qu'il y aura de nouveaux vêtements et accessoires de luxe. Et par la suite, pour les armes, on aura le Marksman Pistol qui est apparemment extrêmement puissant. Et d'après ce que disent Rockstar, eh ben, il va one shot. Donc une balle, vous allez pouvoir tuer un ennemi. Je pense que ce sera un peu cheaté. Et c'est un gun que je trouve magnifique parce qu'il ressemble beaucoup à ceux de Red Dead Redemption. Et pour finir ce DLC, eh ben, on aura le coup de poing américain qui fait son retour. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir et ça fait longtemps qu'on l'attendait tous. Et donc voilà, pour récapituler la partie 2 du DLC, le Crime Pay, et ben il y aura déjà une super sportive, un 4x4, un véhicule classique et un véhicule à peu près normal, donc qui ressemble beaucoup à la Albany qu'on a eu dans la partie 1. Et par la suite, on aura pas mal de nouveaux vêtements et accessoires. Et pour les armes, on aura un coup de poing américain et un espèce de pistolet qui va one shot. Et pour les autres véhicules, on aura une moto ainsi qu'un bateau. Donc cette partie 2, elle est vraiment complète et ça fait vraiment super plaisir. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, pour ma part, j'espère qu'une seule chose, c'est que Rockstar ne va pas abuser sur les prix. Et donc voilà, pour conclure cette vidéo, au passage, ils vont aussi rajouter une nouvelle radio qui était déjà sur PC mais qui va arriver sur console, même sur old gen je crois, et c'est la radio The Lab. Et ça c'est aussi assez cool, même si moi j'utilise pas vraiment les radios, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient demandé à Rockstar. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo d'information par rapport à la partie 2 du DLC de luxe sur GTA 5 Online vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera vraiment super plaisir de votre part. Et n'oubliez pas, comme d'habitude aussi, de venir me suivre sur Twitter, sur Twitch ainsi que sur Facebook. Les liens se trouveront dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde, bye.